immeuble, le régime aux abois cherche à remettre en cause ma nationalité congolaise d'origine. Moi, un natif du Katanga, fils d'une princesse Bemba Yeke, de la lignée de Moussiri, le roi de Bayeke, certains qui sont au pouvoir aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas endurer autant sur leur origine. Moi, je suis un entrepreneur congolais connu et reconnu, élu député provincial et national, gouverneur de la province du Katanga pendant 8 ans. Je suis animé de plusieurs sentiments après cette nouvelle cabale du pouvoir agonisant de Kinshasa. En effet, je suis étonné qu'on s'attaque à ma nationalité d'origine que nul ne peut contester. La justice congolaise est devenue un instrument de répression du dictateur de Kinshasa qui passe son temps à élaborer des montages macabres au lieu de s'occuper du vécu quotidien de 80 millions de Congolais qui croupissent dans la misère. Loin de me décourager, toutes ces manœuvres diaboliques ne font que renforcer ma volonté de poursuivre le combat pour libérer et sauver le pays. J'étais ici, l'encadre Zaki, si pas au mois de janvier, février, n'a évité le monsieur où est-ce qu'il a eu mon numéro. Il m'appelle, Ezaki, aux environs, il y a 21h, 22h. Lui-même, il m'appelle. Moi, je n'avais pas besoin de lui. Jamais de la vie. N'a aucun alou qui était. Puisqu'à l'on attend, c'était dans mon canaï. On va coopérer Nganaï en quoi? Dans quel domaine? Il m'appelle. Il se présente. Il m'appelle Siembote. Il me dit non. Si j'ai un peu de temps, tout mon ananaï. Je pouvais ou ne pas kokende ko mona e. Je lui ai dit oui, ça tombe bien puisque nous avons un rendez-vous dans le centre-ville et je vais passer au Fanda Cab à Epsinga Plaza au Fanda. J'ai dit ok, je vais passer là-bas à 11h. Effectivement, je n'étais pas seul, j'étais avec mon collaborateur Kibin. Kibin. Oui, ok. Ayambinga bien, tout Fandi. Sololi nanga ba théorie na e ba lo ko ndenge nini azo kanisa. Je l'ai compris pourquoi il m'a appelé. Et puis tant on a lingina tele mana kende na bi en tout cas esenge na kende na nini na réunion nanga mususu abimbo. Est-ce que Moïse azana Lubumbashi? Bola nanga bien. Est-ce que Moïse azana Lubumbashi? Abi oui, Moïse Azana Lubumbashi. Oh, na benga ke na téléphone aya bakangate. Oh. Wana Noël Chani. Mais tu n'as été? Tu n'as qui ben? Ah bon? Est-ce que Moïse Azana Lubumbashi? Nabi Moïse Azana Lubumbashi. Nga na tunié. Pona nini aya mbakayo na téléphone te? Oh, depuis que na lobaki Olivier la Jaka Plananga. À Plajaka, Planayo, Abiwi. Intérieurement, moi je me dis, mais Olivier, c'est un type intelligent, il est local, à vous plager Planayo Ndengenin. Bon, Nepsina Abi, ce qui n'a zongi na Lubumbashi. A Koutou na Moïse, ton a Epsae à Benga. Ozo kaba vérité place et zo choqué. Nanga Golo Bangote. N'a quel Lubumbashi, Oko Benga Moïse. Je parle très bien avec lui. Bengaye, la commune de Lubumbashi na Bengi Moïse. Abi, dans un dossier moko na ngina mona. Abi yaka. Na ke na tunena nabi. Pona nini oyambaka jani na téléphone te. Moïse a epsinga lobi. C'est un monsieur qui n'est pas correct. Ok, na fandi na Lubumbashi, l'état na zongiawa. Tomunani na chani, na epsie na lobi. Moïse a lobaki, tosa correctité, net na yambako na téléphone. 2 semaines après, Congolité est bandit.
Mais oui, c'est ça la vérité. La Congolité ne vendait pas. Deux semaines après, Congolité est bandit. Maintenant, moi, je me pose la question. Il a voulu m'utiliser, ça c'était un. Il a voulu choquer Moïse, ou bien Linga qui va sur l'an Moïse, ma cambona bangouana, banini, plan maréchal, papé c'est moi, dame, botonini. Voilà la réalité. Tout naïe. On a les gens, ça s'est passé quand? Mais je t'ai dit, non? Bon, sauf Félix, je sais qu'il dit où ça s'est passé. Mais oui! Hey! Maintenant là! Ozo, et lesquels yo? Non mais façon nous les tiennions au bas d'abord na moni na lobeli yo na Moïse Katumbi ce monsieur là yo ze escroc la lettre na yo comment des autres et puis comment le loco changé à répondre yo na makambo te ko récemment bon maintenant na za escroc entrez kana tuni yo maintenant. Alors ma question est la suivante, monsieur le président. Je crois bien que vous avez travaillé pendant plus ou moins 10 ans côté de M. Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne vous font pas confiance. Ils disent que vous êtes toujours, vous collaborez avec Kabila. Pourquoi, pendant tous ces temps, en 2011, vous n'avez pas pu démissionner? Vous et les G7. En 2013-14, vous ne l'avez pas fait. Vous avez attendu seulement quand le mandat de M. Kabila va atteindre à sa fin, pour que vous puissiez démissionner. Alors, je ne sais pas, pour servir le pays, ça ne me demande pas qu'on soit seulement président. On peut bien servir le pays tout en étant ministre. Vous avez servi le pays en étant gouverneur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à atteindre seulement la haute magistrature? Voilà ma question. Merci beaucoup pour votre question, elle est très pertinente. Je vais commencer par la dernière question. Aux États-Unis, il y a combien de gouverneurs qui sont devenus présidents de la République? Parce que les Américains ont vu ce qu'ils faisaient. S'ils avaient un mauvais bilan, les Américains n'allaient pas voter pour ces choses. Moi, j'ai un bilan. Les gens me font confiance. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de bilan. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons aller essayer ou bien nous voulons aller renverser la situation dans notre pays. Je voudrais partager ce que je fais au Katanga dans toutes les autres provinces. Tokomiwapi est allé dans plusieurs provinces. Je ne connaissais même pas Ndekoe et les terres. J'ai dit, mais c'est Moulouvala, c'est qui? C'est Moulouvala, c'est qui? C'est Moulouvala, c'est qui? On dit au Kassai, passe au Kassai. Non, on veut que Moïse Katumbi puisse faire le tour de la République. J'étais demandé par le Congolais. Mais on ne va pas m'aimer à 100%. Il y a des gens aussi qui ne m'aiment pas parce que j'ai lutté contre la corruption. Vous êtes venus puisque nous devons, je dois démontrer comment. Allons-y. Mais Moïse est en train de vous retirer. Voilà, c'est ça. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble en business ou en fest. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Rien, il n'avait rien. Vous non plus, alors, en ce moment-là, vous n'avez pas d'argent non plus. Mais vous voyagez ensemble. Non, moi j'ai dit, je voyageais en business, en fest. Je voyage toujours en business ou en fest. Moi, je ne dis pas que j'avais beaucoup plus d'argent ou quoi, non. J'avais des moyens pour ma survie. Bon, après, il commence à acheter des avions. Donc, avec quel argent? Je vous dis qu'il n'avait pas d'argent. Oh, vous voulez savoir comment il a l'argent? Oui, c'est intéressant. La oui, c'est très intéressant. Ouais. Comment il a eu l'argent tout d'abord? Nakanisina Kiniboebi, mais c'est Kabasele. Kabasele avec des documents. Il y a beaucoup de Kabasele. Il y a Mpanya, les fabricants. Là, après ces histoires, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé un bon matin. À comme on a bah, ministres, ils sont vivants, bah, Ingele, tout le monde que je cite là-bas. Ingele, il faut tout, oui. Ingele, il faut tout. Akabata la tête. Voilà, après ça, la tête. Bah, Pessier, bah, Mikanda, Bio, Cognon, c'est tout.
naiba kite ndenge nini yaza kikuna na kin aiba kike min moko babenga kambola ezana bandere. Le monsieur vient ici, il commence à travailler. La mine na yon. Et ça, je vais vous donner les images. Vous avez ça? Non. Pas là, je vais vous donner les images. Le type commence à travailler. Un jour, j'étais dans mes multiples occupations. Moïse m'appelle. Quand je dis qu'il n'avait pas d'argent, il s'agit qu'il n'y a pas d'argent. Il m'appelle, est-ce que tu peux m'accompagner dans Mbola? La FC n'a dit, président, excuse-moi, je suis très occupé. Nadal a monté quand même au bien président. Non, je l'appelais déjà. Je l'appelais déjà président, non? Parce qu'il était, quand il est venu, il était président de TP Mazembe. Moi, je suis supporter de TP Mazembe. Il faut avoir ma solo. Hollande a bien, c'est que l'on histoire. Je lui dis, ok, je ne sais pas vous accompagner puisque je suis fort pris. Alors, il est parti avec ses collaborateurs de tout puissant Mazembe. Moi, je me trouvais à ce moment-là, je pense, au centre-ville, et puis quelqu'un m'appelle. Oh, tu sais ce que Moïse vient de faire à Mbola? Je dis quoi? Il vient de faire quoi? Il dit non, il s'est bagarré là-bas. Et il a ordonné qu'on pille les biens de M. Kabassé. Je dis non, ce n'est pas vrai. Vous avez conseillé ma campagne. C'est comme vous avez posé la question à l'habité. Vous avez conseillé ma campagne. Dans le téléphone, à Bengi, il a dit président, vous avez dit. N'a pas dit Moïse. N'a dit, n'a tout n'y a dit, oh non, je suis à la carrière. J'ai dit, mais pas où tu es, ça bio, ça n'a pas qu'on a. Ah, président, tu as mouton à Nazané Kassai. N'a dit, non, président, tu ne t'es pas fait des histoires comme ça. N'a pourquoi est. On était ensemble avec lui. N'a tout n'y a pas ça, il a dit, à son travail, n'a libanais moko. Ils ont mis ça, ils minerai, ils ont foutu à tout bien. J'ai dit, même, tu as foutu à tout bien, tes problèmes, nous avons. Comprends. Et le lendemain, ba minera na ba piaki ba par ba creuser, atindi mutune moko kamwanya, ba benga ke kamwanya. Il va là-bas, a récupéré ngondo sa vie tozo la bino ngongo, aya ayo te kango wa na société moko. Ba kobat. O comment on a la bilinité? Ba kobat ayo te kango wa. Tanga te kango wa. Kobat na ita brut et so ba quantité pas na ko bin bénéfice de 1 kilo. Mais ce n'est pas ça qui fait la richesse de quelqu'un, M. Mouya. Oh, demande-moi ça, ça. Oh, écoute, alors j'ai l'impression qu'on est bien. Mais ignorant. Osa ignorant, c'est-à-dire à ce moment-là. Tant que basé, puisque on est bien, ce jour-là, Valère a minéré Rwanda. Valère a minéré, à moins de me tromper, et ça qui pour une valeur à 1 million de dollars. Valère a minéré. Et puis, par tonne, Non, il fallait que les minéraux soient là. Et puis, quand c'est les nids, non, on a pas mis quand on a eu un peu de temps. Différence entre côté caminéré et là où, comment on dit, bénéfice, c'est énorme. Tu peux investir, marge. Ok, investir 10 dollars, mais on dit, attends, 200 ou 300. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une semaine, deux semaines, ils ont belé, ils ont doublé les bénéfices, ils ont tendé une banque. Et c'est ce qu'il a fait. Kabassé, je vais te dire que Kabassé, ça a confié dans l'éducation au Rébia. Si tu as un problème, on a plus qu'à toi qui crise, ça a confié. Thank you.
capitaine de l'équipe. De suivre Mouya Mokias. Na dossier à M. Kabassé. M. Kabassé, le Bozoka, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'inventeur de Pousse Café. C'est un génie à Koufana li solo Oyo. Et famille, Kabassé, le temps wazan à Bomo, et Moïse a bêté coup. A fonda na parquet à Kipouchi. Baboya kolande la dossier na bazai ko banga Moïse. Si vous suivez na ba vidéo mususu ko banda koya, okoya kamu ya modi que Moïse le disait tout au même na ba meeting que na ko beta bato ya ba juge tout ça. Pourquoi va terminer na zai ko utilisé. Donc tout le monde avait peur de lui parce qu'il avait terrorisé les Katanga, il a terrorisé les gens. Ce que j'ai dit est vrai. Bah, journaliste, c'est vrai, bah, journaliste d'investigation. Ce qui est Katanga, c'est qu'il y a une idée, bah, c'est un bon goût à Zonga. Au moment où Zonga va dire qu'il y a il ment. Donc, il a fait ce coup à Kabassélé. Et les Kassayens sont restés sans brocher, sans rien faire. Bah, Tikala Ndegewana, jusqu'à ce que Kabassélé pousse qu'a fait un inventeur. Luba di Kasai est mort. Batikala jamais collandé la dossier wana. Mais le quoi de commune a état de droit sous le règne de Félix Tshisekedi, famille Kabassélé, bozongé la dossier wana. Sauf que bozongé la dossier à Chebeya. Mais qui est Moïse pour que bozongé la dossier T? Il doit retourner l'argent de Kabassélé. Et autour de lui, quand je vois un Kassayen autour, qui parle Moïse, retenez une chose, Moïse n'a jamais aimé cette tribu. Même pas les Barbakat. Ce que j'ai dit, je pèse mes mots. Quand il est entré au gouvernorat, il a chassé tous les Barbakat là-bas. Pour que les gens ne sentent pas. Mais lui, c'était ça. Ou tu es Moublamba, ou tu es Moubemba. Si tu n'es pas les deux, tu as moins de chances. Ce que nous avons sanga. Le tribalisme est outrant avec nous. Il garde encore des gens, des Tanganyika, de ceci. Il leur parle en termes à Katanga. Mais il n'a pas besoin de ces gens. Il a besoin de l'appui pour agir. Mes chers amis, c'est quand il devient gouverneur. Parce qu'il a. Je ne savais pas que j'allais entrer en politique. Quand je suis rentré d'exil, je ne cesse de le répéter, les gens disaient que j'avais un problème avec le gouvernement zambien. Moïse Katumbi a eu des problèmes, il a pris de l'argent en Zambie, oui. Moïse Katumbi recherché. Il recherchait de la Zambie. Mais le président Kabila, à cette époque-là, si ce n'était pas un homme bien, il pouvait me livrer au gouvernement zambien. Et je pouvais faire. Qu'est-ce qui vous a soutenu? Il m'a soutenu et je pouvais faire la prison sans le savoir. Mais moi-même, j'avais porté plainte au gouvernement zambien en Zambie. Et j'ai gagné le procès en Zambie. Vous présentez au tribunal en Zambie? Présence de la République. Si Vital a déclaré qu'il est candidat
à la présidence de la République, c'est parce que le président Kabila a amené la démocratie. Mais moi, j'ai un candidat qui a amené la démocratie, qui a amené les élections libres et démocratiques. Et c'est lui qui a mis tous les belligérants ensemble. Il est allé au premier tour, il a échoué parce qu'il avait 44%. Il n'est pas dictateur, sinon il pouvait dire « j'ai gagné les élections, je vais rester président ». Il est allé au deuxième tour et il est allé aussi après en justice pour être président, candidat président de la République. Moi, je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais trahir. Dans la vie, il faut être fidèle. Parce que quand vous quittez le pouvoir, moi aujourd'hui, le président de la République peut me demander, il dit, Moïse, la population ne veut pas tout ça parce que c'est la démocratie. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Mais à la minute même, je vais rentrer chez moi à la maison, mais je vais rester dans le parti. Je ne suis pas dans le parti pour être gouverneur, parce qu'aucun jour je pensais être politicien. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. On vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Bon. Ce qui est important, ce qui est... Bien fait d'avoir le devoir de réserve, oui. De ne pas se prononcer à la légère sur des questions d'intérêt national. Mais je trouve qu'il a tellement parlé à la légère que pour moi, il a perdu toute crédibilité en tant que député national. Et d'ailleurs, depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, je ne connais pas une seule loi qui a été proposée par Molière. Donc ce sont des députés qui sont là-bas pour applaudir, pour taper sur les tables quand quelqu'un parle, mais qui n'ont pas d'idée dans leur tête de ce qu'il faut faire. Lorsque Molière se permet de dire qu'il y a des Congolais qui ont géré la RDC et qui ont échoué, et par conséquent, s'il y a un étranger comme un Libanais qui fait du bien, qui a fait du bien pour la RDC, il doit avoir le droit de devenir président de la République. Ça montre simplement que c'est une tête vide, quoi. Quand il dit des choses comme ça, ça m'a choqué. Il y a des droits et des devoirs des citoyens que nous avons. Ce n'est pas parce qu'on a connu des chefs d'État congolais de père et de mère qui ont échoué, que nous devons maintenant prendre la RDC et remettre aux étrangers comme les Libanais, comme ça, pour pouvoir proposer M. Molière. Dans ces conditions-là, pourquoi est-ce que Patrice Emery Lumumba est mort pour que nous puissions avoir l'indépendance? Dans ces conditions, autant remettre la RDC donc dans les mains d'autres colonisateurs, qui seraient, qui viendraient aujourd'hui, et les enfants congolais demain après demain deviendraient donc leurs esclaves. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos irresponsables de M. Molière. Et je voudrais l'inviter d'ailleurs à retirer ces propos-là. Pourquoi, s'il ne les retire pas, il serait indiqué qu'on demande qu'il démissionne ou qu'il soit révoqué de l'Assemblée nationale parce qu'il ne mérite pas d'être le représentant du peuple congolais. On m'a appris à parler à certaines personnes en public. Un, il ne peut pas dire qu'il me connaît très bien. Je l'ai rencontré dans ma vie peut-être 3 ou 4 fois. Okay? Donc, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Deux, lui et moi, on n'a pas suivi la même éducation. Au niveau familial, moi, j'ai évolué dans une famille où il y a un père, une mère et des frères et sœurs, tous faisant partie d'une ethnie, d'une tribu et d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et lui? Lui, je ne sais pas d'où il vient. Quand vous regardez sa tête, vous voyez bien que cette tête-là n'est pas congolaise. La tête de Mouyam n'est pas congolaise. Mais je ne sais pas. Il y a des Congolais comme ça ici? Vous pouvez me montrer 2 ou 3 comme ça? Je n'en connais pas. Deux, je voudrais dire une chose. Regardez les Polonais, vous allez trouver qu'ils ressemblent aux Polonais, pas aux Congolais. Dans la tête de Mouyambo. Je voudrais vous dire une chose, parce que moi, je vous dis que mes parents sont originaires de Ngandajika. Mon père et ma mère, mes frères et sœurs, toute la lignée se trouve en Ngandajika. Je veux qu'ils nous disent aussi ses parents sont d'où. Est-ce que son père était marié à sa mère? Ou bien son père était la domestique qui travaillait chez les prêtres? C'est qu'il voulait pas un enfant bâtard. Non, je voudrais demander simplement qu'il nous dise lui-même, parce qu'il veut engager une conversation avec moi pour nous dérailler de discussion sur la loi qui nous intéresse. Mais parce qu'il est venu s'attaquer à moi sur le plan personnel, je voudrais, moi je viens de vous parler de mon père et de ma mère. Pourquoi vous niez tout ce qu'on dit de vous? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vas-y. Si lui, moi je vous ai parlé de mon père et de ma mère, et de mon village, et de ma zone, de mon territoire, là où ils ont grandi et qu'on sort, et de mes frères et sœurs,
qu'il nous parle aussi de sa famille, de son père, de sa mère. Ils sont originaires de quel pays, de quelle ethnie? Ils étaient mariés où et quand? Moi, je peux vous donner aussi donc la date de mariage donc, de mes parents. Donc, s'ils étaient mariés, ils ont un enfant régulier comme moi. Mais s'ils n'étaient pas, c'était un bâtard et ils devraient se taire avant de pouvoir s'attaquer à quelqu'un comme moi. Parce que, je vais vous dire une chose, que si son père est un prêtre polonais, il faudrait qu'il puisse prouver qu'en allant dans le pays de son père, il peut aussi devenir candidat à la présidence en Pologne pour devenir président de la République. S'il ne peut pas aller là-bas, et si on ne peut même pas l'accepter comme citoyen polonais, alors qu'il puisse baisser ses ambitions à la baisse. Pourquoi? Parce que dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République bananière où n'importe quel bâtard du monde peut venir et prétendre devenir président de la République. Très bien, docteur. Apparemment, vous avez épuisé cette proposition de, je dirais, proposition de loi, etc. Aux USA, puisque avec Donald Trump, rappelez-vous, avec Donald Trump, il disait toujours l'Amérique aux Américains. Moïse Katumbi, aujourd'hui Muyambo soutient Moïse Katumbi, il est tout à fait d'accord avec sa logique. On dit Moïse Katumbi est juif. Je ne refuse pas cela. Mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui. Noël Chadi, pendant tout ce temps que vous êtes resté à la Banque mondiale, vous avez gagné combien d'argent? Non, moi je pense que ça c'est une question qui n'est pas très intelligente. Je n'ai pas à vous dire combien d'argent j'ai gagné à la Banque mondiale. Pour quelles raisons? Vous pouvez me dire combien d'argent vous avez gagné avec Joseph Kabila? Dites-moi. Mère zambienne, père grec, italien, juif, femme burundaise, quelle est la connexion qu'il a avec la RDC pour prétendre occuper même la magistrature suprême dans un pays comme la RDC? Et j'ai vu M. Katumbi lui-même dans une vidéo donc dire que son père est grec, italien, israélien, juif. Peut-être accessible.